Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques et physiques faites aux personnes. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. D'accord, bonjour Souleymane, moi c'est Jonathan, c'est le réalisateur et le producteur du projet Would You React. Donc c'est une chaîne YouTube, c'est une page Facebook. Nous, notre seul objectif, c'est voilà, on dépense notre argent de poche pour créer ce projet. Notre projet, c'est plus de solidarité dans la société. Donc on faisait des caméras cachées pour voir comment les gens réagissaient par rapport à certaines situations, kidnapping, arrachage de sacs, etc. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a un petit dérivé, c'est qu'on fait des câlins gratuits dans la rue. Donc ici, en l'occurrence, c'est à la fête nationale, le 21 juillet, ici en Belgique, à Bruxelles. Et donc c'est dans la même idée, donc c'est toujours de créer plus de solidarité, de tissu social dans la société. Donc voilà, on incite les gens à venir faire des câlins dans la rue, dans le parc. Et voilà, pour plus de solidarité, parce que des interactions sociales, en fait, les psychologues nous disent que ça favorise un climat de sécurité et un climat de sécurité, en fait, diminue automatiquement la violence. Donc le fait de faire des câlins, en fait, ça diminue la violence. D'accord, enchanté. Quel thème avez-vous abordé lors de vos différentes vidéos? On essaye d'être le plus large possible et de concerner tous des problèmes qui pourraient arriver dans chacun d'entre nous dans la société. Donc c'est l'arrachage de sacs, c'est une disparition d'enfants, c'est un mari violent dans la rue, c'est des harcèlements de filles dans la rue. Voilà, comment les gens réagissent autour, est-ce qu'on intervient ou pas? Et quel bilan tirez-vous de ces expériences de terrain? D'une manière générale, il y a toujours plus ou moins 50% de personnes qui réagissent, 50% de personnes qui ne réagissent pas. Et on remarque aussi, d'une manière générale, ça dépend des thèmes, mais lorsque les personnes regardent et quand il y en a une qui prend l'initiative d'intervenir, il y a souvent un effet de masse, donc deux personnes qui viennent soutenir. Et donc ce qui est important à dire, le petit conseil qu'on pourrait donner, c'est que quand on voyait quelque chose, allez directement à plusieurs ou allez soutenir la personne qui a eu le courage de venir aider la victime. Parce que souvent, ça, on oublie. Et quel retour avez-vous généralement de la part des personnes qui ont participé à cette expérience, malgré eux, si on peut dire ça? Ils sont surpris parce qu'ils ne s'imaginent forcément pas que c'est une caméra cachée, même si maintenant, de plus en plus, il y a ce phénomène-là sur Internet. Mais voilà, après le petit temps d'adaptation, ok, j'ai compris que c'était une caméra cachée, eux, souvent, ils disent, c'est normal que j'ai réagi. Donc, pour certaines personnes, réagir, c'est normal, pour d'autres, non. Et nous, ce qu'on essaie de toucher, c'est les personnes pour qui c'est pas normal de réagir, d'essayer d'avoir qui se questionne, tiens, pourquoi moi je réagis pas? Donc personne ne va le dire, mais peut-être les gens vont regarder la vidéo et vont se questionner par rapport à eux-mêmes. Et est-ce qu'à ce moment, ils ont une véritable prise de conscience, si on peut dire ça comme ça, de l'importance d'une connaissance civique de base qui leur permettrait de réagir efficacement face à ce genre de situation? Non, le problème, c'est que bien souvent, des gens, ils veulent réagir, mais ni dans les écoles, ni dans la société, on dit clairement comment on doit réagir. Les gens ne savent même pas est-ce qu'ils doivent réagir ou pas, et surtout comment réagir. Si c'est un kidnapping, comment on doit réagir? Est-ce qu'une femme à une poussette doit courir après le kidnappeur ou pas? Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas juste la manière physique d'intervenir. Il y a cinq manières. Nous, on a dégagé cinq manières d'intervenir. C'est soit de filmer pour avoir une preuve, pas pour diffuser sur Facebook, etc. Soit c'est appeler la police, soit c'est interagir physiquement, stopper le délit. Soit c'est aller vers la victime, aider la victime. Donc ça, c'est par exemple ce que une femme en poussette pourrait faire. Ne pas aller vers le kidnappeur, mais aller vers la victime. Et ensuite, ce qu'il peut faire, c'est attirer l'attention. Donc si on n'a pas la force, on peut attirer l'attention autour de soi pour que d'autres personnes puissent intervenir. Et les incivilités sont réellement si répandues que ça en Belgique? Pardon? Est-ce que les incivilités sont vraiment très répandues en Belgique? Moi, quand je suis arrivé à Bruxelles, en 6 ans à peu près, j'ai dû intervenir, à mon avis, une trentaine de fois. Donc voilà, mais aussi parce que j'essaye d'avoir l'œil, de regarder, j'ai envie d'aider les gens. Donc voilà, donc ça dépend, c'est difficile à dire. Bien sûr, il y a des quartiers qui sont un peu mieux fréquentés, un peu d'autres moins, sans faire de généralité. Donc c'est difficile à dire, c'est une question très difficile en fait ça. Et face à ce genre de violence, est-ce qu'on peut dire que la justice, elle est réellement efficace contre ce genre de violence? Là aussi, c'est quelque chose de très difficile à savoir parce que personnellement, je ne pense pas qu'on ait des spécialistes pour répondre à ce genre de questions-là. C'est très délicat. Nous, on essaye d'éveiller les consciences, mais niveau juridique, etc., voilà, on manque peut-être de connaissances pour savoir est-ce qu'on est dans nos droits, etc. À titre personnel, je trouve malheureusement ici que quand on essaye d'être solidaire, ça peut parfois se retourner contre soi. Donc, on a eu des expériences de personnes qui ont dit « moi, je ne réagirai plus jamais parce que j'ai intervenu, j'ai maîtrisé
maîtriser un agresseur, etc. Et j'ai reçu une plainte contre moi. Donc c'est un sujet qui mérite beaucoup de débats et voilà. Et justement, nous aussi, notre association lutte contre tout type de violence, notamment celle que l'on voit lors de vos vidéos. Selon vous, quelle serait la manière de sensibiliser les représentants politiques pour améliorer la loi et son application ? Alors pour moi, les représentants politiques, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Donc ils peuvent entendre des choses, mais ils ne peuvent pas les vivre. Et si les personnes ne savent pas les vivre, ils ne savent pas gérer pour moi. Donc il y a une déconnexion immense, il y a un fossé entre les citoyens et ce qui se passe dans la société. Donc le seul conseil que je peux donner, c'est peut-être, se camoufler un peu et marcher et voir ce qui se passe, sentir le pouls de la population, parce que là, il y a un problème. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Et d'une manière beaucoup plus générale, que pensez-vous de la manière dont sont appliqués les droits de l'homme en Belgique comparativement à la France qui en est le berceau ? Je pense finalement que la Belgique et la France, d'une manière générale, se ressemblent. Je pense que c'est un peu, malgré tout, les mêmes codes culturels, les mêmes, la même histoire, plus ou moins, etc. Donc je pense que la Belgique et la France, au niveau des droits de l'homme, doivent se ressembler malgré tout, quoi. Et quelles seraient vos préconisations pour que... il y a un véritable changement dans les mentalités, que ce soit au niveau de la population, des entreprises, des institutions en général, pour qu'il y ait beaucoup plus de tolérance et beaucoup moins de violence. C'est de faire comme nous, mais à une échelle beaucoup plus grande. Donc nous, on n'est que des citoyens avec notre argent de poche, etc. On essaye de bouger les choses, on y arrive. Aujourd'hui, ça marche très bien. Mais si d'autres personnes avec plus de moyens, plus de pouvoir, plus de responsabilités pouvaient aussi faire ce genre d'événements dans ce sens-là, ça aurait forcément plus d'impact. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? Je suis tout à fait d'accord avec votre slogan. La solidarité, le lien social, c'est ce qui fait diminuer la société. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La solidarité, ça fait diminuer la violence. Donc le lien social entre les individus, ça crée un climat de sécurité. Et le climat de sécurité, forcément, diminue la violence. Donc là où les gens ne se regardent plus, ne se parlent plus, n'ont plus d'interaction, c'est là où les gens, la violence, elle va se développer. C'est un terreau parfait. Donc, si on veut lutter contre la violence, la seule chose à faire, c'est de se parler entre nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On apprécie aussi ce que vous faites, votre déplacement jusqu'ici. Donc, on vous félicite aussi pour votre initiative. Merci beaucoup. Je sais que vous avez une journée très chargée. On ne va pas vous retenir trop longtemps. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne continuation et peut-être à très bientôt pour de futures actions communes. Parfait. Je retourne faire mes câlins et faire du lien social. Merci beaucoup. Au revoir.